Cérémonie de remise des bâtiments nouvellement construits au CIESPAC, Centre Inter-État d'Enseignement Supérieur en Santé Publique d'Afrique Centrale. Ce matin, il s'agit de deux bâtiments R+3 dont les travaux de construction ont été réalisés par la société chinoise Zhangui Technique Congo. Ces réalisations qui font partie de la première phase des travaux de reconstruction du CIESPAC vont redonner à cet établissement toutes ses capacités d'action. Zita Balou. Réalisation tant attendue par l'ensemble des responsables et cadres du Centre Inter-État d'Enseignement Supérieur en Santé Publique d'Afrique Centrale, CIESPAC, dont le siège de Brazzaville a été défiguré après les tristes événements connus par le Congo en 1997. Cette première phase des travaux de reconstruction du CIESPAC, traduite par la construction de deux bâtiments R+3 bien équipés, ajoutés à cela une cuisine et un restaurant, vient redonner un souffle nouveau à cet établissement sous-régional qui pourra dorénavant mener à bien son action et améliorer ses performances dans la formation en matière de santé publique. Pour saluer la bonne exécution de ce projet, plusieurs voix se sont au cours de cette cérémonie de réception de ces bâtiments construits par la société chinoise Zhangui Technique Congo, parmi lesquels celle de la directrice du CIESPAC. En cette circonstance solennelle, qu'il me soit permis d'adresser mes profonds respects à l'endroit des plus hautes autorités de la CEMAC qui, à travers son agence d'exécution, l'OCA, n'ont ménagé aucun effort pour l'aboutissement de la première phase des travaux de reconstruction du CIESPAC. Le directeur général de l'intégration au ministère du Plan a réitéré quant à lui l'engagement de la République du Congo de toujours œuvrer pour l'idéal communautaire. Malgré la dureté des temps, la République du Congo reste toujours engagée et va continuer à mobiliser toutes les énergies nécessaires et possibles pour faire aboutir l'idéal communautaire dans le cadre de la formation des hommes, afin d'améliorer la qualité des services et partant le bien-être de nos populations. CIESPAC ouvrira dès octobre prochain un cycle de master en santé publique, a annoncé sa directrice générale. Par ailleurs, afin d'éviter la destruction dans l'avenir de ces installations par les érosions présentes aux alentours, il a été suggéré que la CEMAC s'occupe très rapidement de la protection des abords.